Dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle un tournant. Pour moi, c'était mon opération du cœur, il y a 2 ans et demi. Comme toujours, c'est seulement quand on risque de perdre quelque chose qu'on reconnaît sa vraie valeur. À ce moment-là, j'ai senti que ce n'était pas seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille qui était en jeu. Depuis, plus rien ne compte, à part elle. Dis donc, on t'a greffé le cœur d'Agassi ou quoi, là? Si c'était celui d'Agassi, tu serais remplacé par un autre depuis longtemps, ma chérie. Allez, viens, papa, on va faire un match. Ah non, s'il te plaît, non, laisse-moi récupérer, attends. Même Agassi, il enchaîne pas 2 matchs d'affilée. Nicolas, allez, on joue. Tu veux jouer à quoi? Hein, tu veux jouer à quoi? Tu sais même pas servir. Toi non plus, tu sais pas servir. Ah. Bah, tu vois, je sais bien servir. Mmh. Absolument, je peux vous envoyer les statistiques pour avoir une idée de nos performances en matière de conseil. Très bien, j'attends de vos nouvelles. Au revoir, maître. Tiens, je te présente ta nouvelle charmante assistante, Valérie Monnier, Pierre Bertin. Bonjour. Père de famille, 2 enfants, un couple sans histoire. Par contre, moi, divorcé, sans enfant en charge, entièrement disponible. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Ne commence pas. C'est comme ça que j'ai perdu votre prédécesseur. Bon, ça va. C'était un mec. Alors, attention, Valérie. La première chose que vous avez à apprendre ici, c'est de ne pas avoir confiance en votre chef. Alors, comment je vais pouvoir travailler? Justement, c'est ça, votre travail. Bien surveiller ce sale menteur. Elle est mignonne? Ah. Pas mal, ouais. Vous, les filles, vous intéressez pas à autre chose? Est-ce qu'elle est mignonne? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Nanani, nanana. Toi, la femme, t'es trop bouffon pour comprendre les femmes. Non, elle, ça suffit, hein. Tu sais, de toute façon, c'est même pas la peine que tu lui poses cette question. Parce que personne n'est plus moche que toi, je te jure. Et à quel âge? Hein? C'est pas vrai, les femmes. Hé hey. Oui, je patiente. Tout d'un coup, je suis envahi par la jalousie comme un gamin de 15 ans. Nous sommes descendus à Toulouse pour la présentation d'un projet. Et nous avons remporté le marché. Pour fêter ça, j'ai invité Valérie à dîner. Alors comme ça, célibataire. Surprenant. Tu croyais que j'étais mariée et mère de 2 enfants? Non, mais enfin, je t'imaginais avec quelqu'un. Dis-moi, t'es bien curieux ce soir? Ah bah, c'est important de savoir avec qui on travaille. C'est vrai.
Alors je sais plus. Quand je me suis réveillée, il avait disparu. Dis-moi, t'avais dormi trop longtemps ou c'est toi qui l'as fait disparaître? Il l'aurait mérité, le salaud. Il était marié. Alors, tu sais que au bureau, il y a quelqu'un qui pourrait beaucoup te plaire. Et tu le connais. C'est... Pierre. Bref, on a un sursis d'une dizaine d'années. Rarement plus. C'est bizarre quand on y pense. Hein. On m'a sauvé la vie et... Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, c'est déprimant. C'est toujours bon de savoir avec qui on travaille. Celui qui t'a donné le cœur, tu sais quelque chose sur lui? On te dit rien. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Alors. Mais j'y pense, hein, souvent. C'est dur à dire, mais... C'est quand même grâce à sa mort que je suis encore là. C'est provisoire. Alors, autant profiter du temps qui nous reste. Je ressens quelque chose d'irrésistible. Une sorte de fatalité. Tu peux aller moins vite? Pourquoi? T'as peur? Un peu. Ça va? Tu veux que je m'arrête? Non, non, t'inquiète pas, ça va passer. Je sais que j'ai... J'ai tendance à rouler trop vite, mais j'ai jamais eu d'accident. Moi aussi. Ah bon? T'as été blessé? Non. Un miracle. Tu penses à ta femme? Tu dis ça? Tu lui dis quoi quand tu rentres? Elle est déjà couchée. Et demain matin? Elle sera déjà partie au travail. Et demain soir? Demain soir, je serai avec toi. Encore? Je suis pas libre, moi, demain.
Ça va? T'es fâché? Oui. Tu seras avec qui demain? Et la vie continue malgré tout. Un adultère banal que chacun pense exceptionnel. Papa, avertissement! Florence, c'est ton partenaire. Je m'en fous, il n'est plus maintenant. Mais quelle conne, celle-là! Nicolas! Combien de temps encore? Est-ce que je peux tout abandonner et repartir à zéro avec elle? De toute façon, avec le temps qui me reste, je ne veux pas finir ma vie avec des regrets. Un homme marié, tu parles. Alors pourquoi t'as commencé? Il n'aurait jamais fait ça. De quoi je me mêle? Quelqu'un que tu connais pas. Je t'emmène chez toi. C'est ça. Retourne chez ta femme. C'est la dernière fois que j'ai vu Valérie. Elle a disparu. Comme ça,
du jour au lendemain. Sans me laisser un mot, ni même une lettre de démission. Elle a changé d'adresse. Personne ne sait où elle est partie. D'ailleurs, personne ne sait grand-chose sur elle. Même moi, qu'est-ce que je sais sur elle? Sauf qu'elle me manque. Terriblement. Péniblement. Coucou. Je te présente ta nouvelle assistante, Madame Régine Debray. Bonjour. Bonjour. Parfait, votre cœur va très très bien. Vous avez rajeuni 10 ans, au moins. Merci, hein. Sinon, vous avez quelque chose à me signaler? Un cœur brisé, par exemple? Ça, je crois que vous pouvez pas faire grand-chose, docteur. Parlons de choses sérieuses. Quelque chose de grave? Ah non, 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 rassurez-vous, non. Il y a quelque temps, le centre m'a averti qu'une jeune femme cherchait un peu partout des informations sur le receveur, c'est-à-dire sur vous. Le donneur était son fiancé, il a été tué dans un accident alors qu'elle était au volant. J'ai toujours le cœur de son fiancé. Il me garde en vie. Je ne saurais jamais comment le remercier pour ces quelques années de vie en plus. Et je vais mourir avec le cœur de l'homme qu'elle aime. Un jour, j'ai appris que son cœur était encore en vie. Je voulais le sentir près de moi. Juste, près de moi. It's not the pale moon that excites me, that's real than delights me. Oh no, it's just the nearness of you. On your sweet conversation that bring the sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you in my arms and I feel you so close. Thank you.